Mais d'abord, je te propose de partir dans les étoiles. Très, très loin. Très loin, très loin. On va suivre. Écoute, Nathalie Chan-Guirma. J'ai déjà une petite question à poser à Olivier, à vous autres aussi. Est-ce que vous regardez la météo le matin avant de vous habiller? La France est de savoir. Je l'écoute. je vais être précis. Ouais, j'écoute la radio. C'est le programme préféré des Français. Alors pourquoi la météo est-elle si fiable depuis ces 20 dernières années? C'est grâce aux satellites météorologiques. Et c'est à Cannes que se trouve l'entreprise qui les fabrique depuis maintenant 40 ans. Qu'ils servent à prévoir la météo ou à observer les évolutions de notre planète, plus de 2500 satellites planent aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Et c'est sur la Côte d'Azur que sont conçues et assemblées ces machines de haute technologie. Alors c'est le tube central du satellite, c'est ce qui constitue la base de la structure de tous nos satellites de télécommunication. Il se retrouve à l'intérieur du satellite et il va venir supporter l'ensemble de la structure des panneaux du satellite et l'ensemble des équipements. Allongés sur leur plateforme, ces techniciens en blouse blanche travaillent sur l'un des panneaux du satellite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur position est plutôt inconfortable. On arrive à passer 2 à 3 heures. Après, c'est très difficile, on a le sang quand même qui monte à la tête. C'est assez compliqué, mais bon, ça va. On est là pour ça. Après le squelette du satellite, voici son système nerveux. 15 à 30 km de câbles relient les différents équipements. Des opérations minutieuses réalisées à la main. Tout doit être prévu et vérifié au sol, car une fois dans l'espace, les réparations sont bien sûr impossibles. 4 satellites sortent chaque année de ces ateliers. Jérôme est l'ingénieur responsable de leur assemblage. Alors, nous sommes ici devant les satellites scientifiques Sentinel 3B et Sentinel 3A, à 2 étapes d'assemblage différents. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque satellite a une mission spécifique. Principalement, ces 2 satellites ont pour mission la surveillance des océans et des terres émergées. C'est parfait. Merci. Après leur lancement, les satellites subissent toutes sortes de tests de résistance. Le plus impressionnant se passe dans cette pièce, une chambre anéchoïque. Alors, c'est le test ultime, réservé aux programmes majoritairement de télécommunication. Cette salle est isolée des perturbations électromagnétiques externes et nous permet donc de vérifier qu'en envoyant un signal au niveau du satellite, on le réceptionne avec le bon niveau de performance. Notre découverte s'achève, mais Jérôme a souhaité nous emmener là où les rêves deviennent peu à peu réalité. Alors c'est notre programme phare du moment, le programme ExoMars 2016. Ce sera la première capsule européenne atterrissant sur Mars. C'était un rêve d'enfant, c'était les premières images des navettes, les premières images de l'exploration des planètes. Et effectivement, tous les jours, je me dis que j'ai énormément de chance de travailler sur ce type de projet. Un savoir-faire qui va bien au-delà de nos frontières et qui sait, un jour, permettra de décrocher la Lune. Et le tout dernier satellite que vous avez aperçu dans le reportage, il est enfin terminé. Il s'agit d'ExoMars, que vous allez découvrir là encore sur ces images. Génial. Et sa mission, c'est d'aller justement sur Mars pour savoir s'il y a de la vie. Vous en avez sûrement entendu parler, ExoMars a été lancé la semaine dernière, lundi dernier, le 14 mars, depuis le Kazakhstan. Et donc là, la sonde, elle est partie pour un long voyage de 7 mois. Et l'atterrissage, il est prévu sur Mars en octobre. Et c'est la première fois que l'Agence spatiale européenne réalise un atterrissage sur Mars. Donc derrière, il y a des gros enjeux. Car si jamais cette mission fonctionne, eh bien elle marquera le début d'un nouveau cycle européen d'exploration sur Mars. Alors concrètement, les amis, à quoi va ressembler la mission d'ExoMars? Eh bien, on a des images promenade de synthèse. Santé, hein. Ah bon, d'accord. T'as raison. On a des images de synthèse. Vous allez voir comment ça va se passer. Elle a, pour faire simple, 2 missions très importantes. La première, ça sera de faire un inventaire détaillé des gaz atmosphériques de Mars. Rechercher des gaz rares comme le méthane, car s'il y a du méthane, ça veut dire qu'il y a des organismes vivants. Donc ce sera la preuve d'une activité biologique ou géologique. Par exemple, sur Terre, 90% du méthane provient des mammifères, des bactéries. Donc ces robots... Du vivant, quoi. Du vivant, exactement. Et ces robots que vous allez apercevoir sur ces images, eh bien, ils vont réaliser des prélèvements grâce à une sonde. Ils vont être également aidés de caméras. Et la deuxième mission de ExoMars, ça sera donc de tester des technologies sur Mars pour vérifier si elles fonctionnent bien et pour pouvoir derrière préparer de futures expéditions. Et je peux vous dire que l'ambiance est à l'attente au centre du contrôle de l'Agence spatiale européenne, car c'est vraiment la mission d'une vie, c'est des années de préparation. En plus, c'est un secteur qui est à la pointe. On est à la pointe dans ce secteur en France. Et je sais que, Olivier, vous êtes passionné par tout ça.
Oui, je suis passionné parce que c'est quand même une grande histoire qui a commencé d'ailleurs ici avec Saint-Exupéry, l'histoire de l'aéropostale, et puis après à Montaudran à Toulouse, et puis c'est quand même l'histoire de la conquête du ciel et de l'espace. Je vous rappelle quand même qu'à Kourou, en Guyane, on lance régulièrement, grâce à Ariane et d'autres programmes, des satellites qui vont partout dans le monde, et on est parmi les grands pays, oui, voire le plus grand pays dans le monde dans ce domaine. C'est assez incroyable d'ailleurs, Olivier, nous qui sommes des enfants de la NASA, on va dire, hein, qui avons vécu dans notre enfance les programmes de la NASA, de voir que la France tient une place prépondérante aujourd'hui dans ce monde de l'espace. Et plus que ça, c'est un secteur qui est en pleine croissance sur les marchés émergents, donc là encore des belles perspectives pour les entreprises françaises. Vincent, tu fais bien de préciser qu'on est des enfants de la NASA, parce que justement, dans cette entreprise qui est associée au nom d'un opticien et de quelqu'un qui a révolutionné le monde de l'optique, qui s'appelle Pierre Ingénieux, c'est lui qui est un Français, qui a eu deux Oscars techniques. C'est totalement inédit en France et c'est lui qui a inventé toute l'optique qu'il y avait sur le module lunaire et qui a permis à la NASA justement d'offrir ces images au monde du 20 juillet 1969. C'est grâce à un Français qu'on a eu des images de la Lune en 69. Françaises, Claudie Ignoret qui était notre astronaute formidable, première femme astronaute, qui est une femme exceptionnelle et absolument qui parle très bien de tout ça. Et dire aussi qu'Ingénieux, bah, c'est celui qui a équipé pendant dizaines d'années les caméras de télévision. C'est lui qui a inventé le zoom mécanique. C'est lui qui a inventé l'objectif 24-36. Ce mec est un génie. Il est français et il a donné tout cela au monde et c'est formidable. Et quand on sera dans la région d'Ingénieux, Nathalie, tu nous emmèneras voir la firme, hein, bien entendu. Avec plaisir. Hein, la fabrication des objectifs et des optiques. Voilà. Et Fresnel qui nous écoute de là où il est, là-haut. Et ses lentilles. Des phares. Absolument. Ah là là, le génie français. On ne s'en lassera jamais. Merci Nathalie de nous avoir montré effectivement ce programme ExoMars.